الحمد لله، الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، إن مما ينبغي أن يكون أيها الأحباب الكرام معلوما عند كل مسلم، أو إن أردنا أن نقول كل مؤمن محسن، أن يعلم أن إسلامه مرتبط بأمرين مهمين ينبغي أن يراعيهما، وهو ينزل إيمانه وإسلامه في الأرض، لأن المشكلة العويصة التي يعاني منها المسلمون اليوم، وأنهم يحدثون شرخا كبيرا بين علاقتهم بالله وعلاقتهم بغير الله سبحانه وتعالى، فيعتقدون أن علاقتهم بالله تغني بصلاة وصيام وحج وعبادات فرضها الله سبحانه وتعالى بين العبد وبين بينه وبين عبده، ويضع جانبا ويتهاون ويتجاهل أن علاقته بالآخرين لا علاقة لها بإيمانه وإسلامه وإحسانه وتقربه وتعبده لله سبحانه وتعالى. ذلك ينبغي أحباب الكرام أن نذكر بأمور، وأن نعلم أن إسلامنا ينبغي أن يطير إلى ربنا بجناحين وليس بجناح واحد، بجناحين، فإن الحق سبحانه وتعالى تعبدنا بطريقين: طريق عمودي بيننا وبينه، صمنا لله، نصلي لله، نحج لله، نذكر الله، وهناك طريق أفقي بيننا وبين الآخرين، وسنذكر نموذجا من النماذج التي يشكو منها غير المسلمين المسلمين، يشكو غير المسلمين من المسلمين في هذا الجانب. Alors, chers frères, chers sœurs, aujourd'hui je veux soulever une problématique qui est très importante, malheureusement, de notre société, de notre compréhension. Le fait d'être musulman, c'est un double ou un triple façon d'être. Nous, malheureusement, on croit toujours que le fait d'être musulman, croyant, bienfaisant, quelqu'un qui chemine vers Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est le fait qu'il a réalisé les prescriptions que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a recommandées. Sa prière, son jeûne, son pèlerinage, il évoque Dieu et ainsi de suite. Ça, c'est entre lui et Dieu. Il croit que le fait de réaliser un minimum de cela ou un maximum, ça y est, il est devenu un musulman complet et ainsi de suite. Et ça, c'est une erreur dans la compréhension de cette religion. On ne peut pas voler vers Dieu subhanahu wa ta'ala, ou bien cheminer, si vous voulez, vers Dieu subhanahu wa ta'ala, avec un seul aile. Il faut deux ailes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit, nous a demandé, nous a donné une religion où il nous a montré que vous ne pouvez jamais cheminer vers moi avec un seul moyen, ou bien un seul sens. Alors, Allah nous a prescrit de l'adorer à travers deux sens. Un sens vertical,
entre nous et lui. On jeûne pour Dieu. On fait la prière pour Dieu. On fait le pèlerinage pour Dieu. On lit le Coran pour Dieu. On évoque Dieu. Ça, c'est entre moi et Dieu. Mais il y a une relation horizontale entre moi et autrui. Qui que soit autrui, un être devant moi. Et cette relation avec autrui, elle a des graves conséquences, hein, vis-à-vis de la relation, hein, avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Et un simple exemple qu'on va voir aujourd'hui, parce que malheureusement, les non-musulmans se plaignent surtout pendant le ramadan et tout le temps, hein, de ce comportement et de cette mauvaise compréhension des musulmans. Et surtout, je veux soulever le droit de voisinage. Haqqul jar, ayyuha al-ahbab al-karam. Allah subhanahu wa ta'ala a'ta lil-jar haqqan, nahnu naghfalu anhu, wa nahnu fi 'izz as-siyam. منذ بداية شهر رمضان وفي السنوات الماضية دائما يشكو غير المسلمين من المسلمين في حق الجار والعياذ بالله وقد يكون هذا نوع من الصد عن سبيل الله depuis que les musulmans jeûnent en France ici en Europe en général et depuis que le ramadan de cette année commence Les mosquées, les associations, les mairies reçoivent des plaintes du mauvais comportement vis-à-vis du voisinage. Et ça, ça a des mauvaises conséquences. Dans notre jeûne même. Dans notre jeûne. Alors on doit faire attention et on doit être vigilant. Et on passe maintenant à analyser, à écouter les textes coraniques et notre religion en général ainsi que la tradition prophétique. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à cela pour qu'on fasse attention. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في سورة النساء واعبد الله la relation verticale. واعبد الله ولا تشرك به شيئا. Adorer Dieu sans lui rien associer. C'est la relation verticale avec la prière, avec le jeûne, avec et ainsi de suite. Sans lui rien associer. La relation horizontale. Mashallah. وبالوالدين إحسانا وبذو القربى واليتامى والمساكين والجار القربى وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم واو العطف معطوف على الإحسان وبالوالدين إحسانا وبذو القربى إحسانا وباليتيم إحسانا وبالجار إحسانا وبالجار البعيد إحسانا وبالصاحب في العمل إحسانا وابن السبيل تتكرر هذا الإحسان لا يمكن إذن أن نحقق الإحسان بعبادة الله بدون الشرك به فقط. Alors le premier verset dans le chapitre les femmes Allah subhanahu wa ta'ala dit adorer Dieu sans lui rien associer la relation verticale et directement la relation horizontale Allah commence à détailler agissez comme il faut convenablement avec vos parents avec vos proches avec les orphelins avec le voyageur, avec le voisin proche et le voisin lointain et les collègues. Allah a détaillé le voisin trois niveaux. Le voisin proche, le voisin lointain et le collègue. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait « et bienfaisant » ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne peut pas réaliser même l'adoration de Dieu sans le rien associer si il n'est pas accompagné de ce comportement avec le voisin. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va intervenir pour nous expliquer la dangerosité du voisinage. Surtout si on le traite mal. Qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadithin min Aisha radiyallahu anha akhrajahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه النبي ظن أن جبريل سيأتي يوما بآية يقول له الجار مع القربة له حد ونصيب من الميراث لكثرة ما يوصي به جبريل عليه السلام ووصية جبريل جاءت من رب العزة يعني أن الجار كاد أن يرث
أي كاد أن يكون قريبا لك ممن تشاطر معهم وتتقاسم معهم الدم دم الرحم بسبب الجوار. Alors النبي صلى الله عليه وسلم nous dit sur le hadith de Aïcha رضي الله عنها Gabriel ne cesse de me faire recommandation des recommandations vis-à-vis du voisinage jusqu'à ce que j'ai cru qu'il va l'intégrer dans l'héritage. Rapporté par le Bukhari Muslim. Nabi Sosam nous dit que tellement que Gabriel ramène chaque fois des recommandations vis-à-vis du voisin, jusqu'à ce que le prophète il a dit un jour, il va ramener un verset auprès de Dieu pour intégrer nos voisins dans l'héritage. Il a le droit dans l'héritage, quand toi tu décédais, ton voisin il a sa part. Le prophète il avait cru ça, tellement que Gabriel le fait des recommandations. Ça veut dire que il est à deux doigts qu'il soit ton proche, ton voisin. Qui est musulman ou pas musulman, et si le prophète n'a pas distingué. Alors regardez comment on doit, ça veut dire on doit se comporter avec nos voisins comme quelqu'un avec lequel on va partager l'héritage quand il a décédé un de nos familles. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وانظروا هنا احباب الكرام الى تاثير علاقه الجوار في الايمان. Regardez les conséquences du voisinage, de la relation avec le voisinage sur la foi. Quand tu parles de la foi, quelqu'un, il a la foi, comment il peut avoir la foi? En se rapprochant à Dieu, lisant le Coran, jeûner, comment on fait pendant ce mois béni? Mais regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, il jure parfois, trois fois. A Nabi Hurayra radiallahu anhu, kharaj l'imam al-Bukhari muslim, قال Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulallah? قال من لا يأمن جاره بوائقه من لا يأمن جاره بوائقه لا يؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم جوري assurément trois fois par Dieu ne sera jamais un croyant, par Dieu ne sera jamais un croyant, par Dieu ne sera jamais un croyant. Ils ont dit, qui est donc messager de Dieu? Il a dit celui dont son voisin il n'est pas à l'abri de son tort, de son nuisance. Celui qui nuit à son voisin, jamais il sera un véritable croyant. وقال الإمام النووي فيه مستويين. الإمام النووي كنت لا أنت قريتي كنت expliqué ce hadith الذي فيه مستويين. هناك مستوى من يستحل هذا الأمر رغم علمه بأن الله يحرم الإذاء إلى الجوار فهو كافر. وبين من يعلم أنه يتهاون عليها ولا يستحلها فهو لن يكمل إيمانه. لذلك جاء في رواية الإمام البخاري ومسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Ne rentre pas au paradis. Dans la version de l'imam muslim, ne rentre pas au paradis celui dont son voisin n'est pas à l'abri de son tort. Ne rentre pas au paradis, chers frères, chères sœurs. Nous, on jeûne pour rentrer au paradis. Mais quand on fait du tort et du mal à nos voisins, en croyant qu'en faisant tarawih et en adorant Dieu, alors le prophète nous dit, vous ne rentrez pas au paradis. L'imam, là où il a dit, il a deux sens. Soit que la personne, il viole ce droit malgré qu'il connaît ses textes, celui-là, hein, c'est un mécréant. Ou bien, comme l'a dit l'imam Nawawi, le prophète, il parle, il ne veut pas rentrer au paradis, ça veut dire qu'il ne sera pas parmi ceux qui vont rentrer premièrement, hein, parmi les croyants, et va être retardé jusqu'à ce qu'il sera jugé, malgré sa prière et son jeûne et son pèlerinage, par rapport à cette nuisance, et après Dieu, subhanahu wa ta'ala, le juge, soit il le pardonne, soit il le jette en enfer, jusqu'à ce qu'il règle ses dettes. C'est qui parmi nous, chers frères, chers sœurs, qui va jeûner et en fin du compte, son jeûne et encore, il a un problème. Et donc, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on ne croie pas, comme j'ai dit, que le fait d'être musulman, c'est une fierté à montrer devant les voisins et ennuyer à ses voisins. Et il y a même parmi les musulmans qui se plaignent du musulman. Il y a des musulmans qui travaillent comme les autres, qui habitent à proximité de la mosquée ou à côté, où les jeunes ils restent devant les fenêtres des gens qui sont musulmans ou non musulmans et nuit à ces gens-là. Est-ce que vous croyez que celui-là est jeune?
النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به، celui qui ne délaisse pas le faux témoignage et la pratique des choses qui sont fausses et parmi eux nuire aux voisins. Allah n'a pas besoin qu'il soit privé de sa boisson et sa nourriture. Allah n'a pas besoin. Allah n'a pas prescrit le ramadan pour le punir. Il a prescrit le ramadan pour qu'il nous donne une occasion et une chance pour se purifier, pour guider cette âme. C'est vers Dieu subhanahu wa ta'ala. As'alu al-ali al-qadir wa fiqhani wa yakum al-fiqhir. Qul qawli ala wa sattu wa sattu wa sattu. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وسل الله وسلم مبارك على سيد العابدين وإمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله أما بعد. ومن بين أيها الأحباب الكرام الضوابط التي جعلها هذا الشرع الحنيف لحقيقة الإيمان، جعل لذلك علامات. الله سبحانه وتعالى à travers cette religion, à travers les paroles prophétiques, il a donné à la croyance des critères. Celui qui prétend croyant, le prophète ne met en défi, si on peut dire, ne dit, alors, si vous êtes des vrais croyants, voilà les critères. Il y a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit que l'imam al-Bukhari wa muslim, min hadith Abi Huraira, man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, fala yu'tijarahu. Un critère. من كان يؤمن بالله سبدير من كان حقا يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤدي جاره. Alors c'est un critère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui croit vraiment en Dieu et son messager, alors qu'il ne doit pas faire du tort à son voisin. Ça c'est un critère. Hadith rapporté par l'Ibn Bukhari aussi. Ça veut dire le sens contraire. Celui qui fait du tort à son voisin, il ne croit pas vraiment. Il prétend qu'il croit, il ne croit pas vraiment à son Seigneur, né au jour dernier. Parce que celui qui croit au jour dernier, celui qui croit à ce jugement, qui va être jugé parce qu'il a embêté ses voisins, il ne les a pas laissés dormir tranquilles, soi-disant prétendant qu'il fait tarawih, ça n'a rien à voir. Il ne croit pas au jour dernier. Croyez-moi, les conséquences sont graves. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر في رواية مسلم فليحسن إلى جاره. Un autre critère, celui qui croit vraiment au Dieu et au jour dernier, qu'il soit bienveillant, qu'il réagisse bien vis-à-vis de son voisin. C'est pas seulement de ne pas nuire à ton voisin, c'est plus que ça, tu dois être bienveillant vis-à-vis de lui, tu dois être serviable à lui. ثم حديث أحباب الكرام تقشعر له الأبدان. الحديث أخرج الإمام أحمد والبيهقي من حديث أبي هريرة قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأة يذكر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أن لسانها صليت على جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. هي في النار. كنتي سحديت كي كي في ترمبلي لي كور. النبي صلى الله عليه وسلم ان جور ان هوم اللي فينو لي دي اون فام ريبيتي اون بون ريبيتاسيون بري دي جون في بوكو دو بريير اي فو بوكو دو بريير دو نوي اي دون بوكو لو مون في بوكو دادوراسيون مي اي نوي ا سي فوازان لو بروفيت الا دي الي اون انفير. وذكر رجل في نفس الحديث خرج الإمام البيهقي وأحمد قال: وامرأة ذكر من قلة صيامها وقلة صلاتها وقلة طاعتها وتتصدق بالأطوار من الأقط، الأطوار من أقط يعني قطع من اللبن، تتصدق بشيء قليل ولكنها لا تؤدي جيرانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. Par contre, une autre personne qui ne fait pas beaucoup de prières, qui ne fait pas beaucoup de prières de la nuit, qui ne donne pas beaucoup de monde. Il a même cité ce nom, c'est le lait fermenté. Il donne un petit peu de lait fermenté quand il a trouvé. Mais il réagit bien vis-à-vis de son voisinage. Le prophète, il a dit, il est au paradis.
أيها الأحباب الكرام، on doit se réveiller pour faire attention. On doit essayer de savoir que notre religion doit être complète à travers ces deux sens. On ne peut pas adorer Dieu subhanahu wa ta'ala en supportant la faim et la soif toute la journée et la nuit, on annule tout ce qu'on avait fait. النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم حينما حدث الصحابة عن المفلس الفيي de cette communauté قال أتدرون من المفلس سيبوس كي كي الفيي الفي سوي كافي فييت قال يا رسول الله المفلس منا من الذي درهم وله متاع ما il a pas de bien il a pas d'argent il a pas de bien قال النبي صلى الله عليه وسلم لا المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ولكنه يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفر وذكر من بين أمور حقوق الآخرين فيأتي يوم القيامة ويأخذ هذا وذاك من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم وطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. Le failli, celui qui a fait faillite de cette communauté, le prophète a dit, c'est celui qui va venir le jour dernier avec la prière, c'est un musulman, avec le jeûne, avec le monde, tout est inscrit dans son registre. Mais il embête celui-là. Il insulte celui-là. Il dérange celui-là. Il traite mal celui-là. Il colle le sang de celui-là. Il prend le bien de celui-là. Et le jour dernier, il va venir. Celui-là et celui-là, ils vont prendre de ses bienfaits. Ça veut dire quoi? En fait, il nous dit, préservez les bonnes œuvres que vous avez faites. Préservons-nous notre ramadan qu'on a fait la journée pour ne pas le distribuer pendant la nuit à nos voisins. Croyez-moi, Dieu subhanahu wa ta'ala, le jour dernier, il ne va pas dire que celui-là c'est un mécréant et toi tu es un croyant. Non! Quand la justice est établie, même les animaux, Allah subhanahu wa ta'ala va établir la justice, savez, entre eux. Croyez-moi, alors le prophète il a dit, c'est la fine, tout ce qu'il a comme bonheur, il n'a pas encore réglé ses dettes et ses problèmes avec autrui, il va prendre de ses défauts, ils sont rejetés sur lui, ils sont rejetés en enfer. Il ne va pas rester éternellement en enfer parce qu'il croit en Dieu. Mais qui parmi nous qui est capable de supporter l'enfer un moment, c'est pas une seconde, c'est pas une seconde, un moment pour régler ses dettes. Pour ça, j'ai fini avec ce verset-là qui est très important. Surat Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu, ati'u Allah وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم. في الشابيت محمد الله سبحانه وتعالى نمي أن جاء وسكي وكريه دي سبحانه وتعالى وبيسي الله سبحانه وتعالى وبيسي السم مساجي et il faut pas rendre vos bonnes œuvres vaines, il faut pas annuler vos œuvres. On ne doit pas stationner devant les fenêtres des voisins. On ne doit pas claquer les portes en sortant vers Tarawih. Si on ne veut pas rester à la mosquée pour faire Tarawih à la mosquée, on rentre à la maison, on dort. Oh les jeunes, si vous n'avez pas de travail, si vous êtes en chômage, si vous ne travaillez pas, vous êtes en bonne santé, arrêtez de parler derrière, devant les fenêtres des voisins, qui que soit musulman ou non musulman. Préservez votre jeûne que vous avez subi devant toute la journée. Arrêtez de dégrader, de salir cette religion. Cette religion, elle est noble. Cette religion, elle est sainte. Cette religion, elle est pure. Alors, il doit les garder avec nos comportements. Croyez-moi, toutes les mosquées se plaignent. Tous les voisins des mosquées se plaignent. C'est honteux pour nous qui se montrent qu'on est capable de résister devant la faim et devant la soif 18 heures. Et on gâche tout pendant une demi-heure la nuit ou une heure la nuit. Pour soi-disant que je veux rester jusqu'à Sahur et je nuis à ceux qui travaillent, qui ne connaissent pas le ramadan. Comment voulez-vous que les voisins de la mosquée embrassent l'islam? S'ils voient ceux qui sont déjà dedans, ils sont mal éduqués. Ils ne respectent pas. Croyez-moi, billahi alladhi la ilaha illa hu. Je l'ai entendu de la bouche d'un voisin d'une mosquée. Il est venu se plaindre en pleine journée du ramadan.
Elle a commencé la première chose. Combien de prières faites-vous pendant la journée? Je lui dis 5. Il lui dit, moi, je peux vous dire une chose. Jamais j'embrassera cette religion. Je dis, pourquoi? Il a dit, parce qu'il y a une prière que vous faites la nuit. Vous me réveillez à 4 heures du matin. Et moi, je travaille à 6, je travaille à 6 heures. Vous me gâchez votre vie. Il m'a même dit un mot que je ne veux pas dire sur cette religion. Mais je le crois. C'est nous qui salissons cette religion. Croyez-moi, Ahbab Karam. Le sujet, il est très important. Et le problème, ce n'est pas seulement le voisin, c'est notre foi qui est mise en cause. On met notre foi en cause. Alors, conseillons-nous nos enfants. Tu ne veux pas rester à la mosquée? Va dormir à la maison. أسأل الله القدير وفقنا وياكم في خير دين من رشاد السلام وجعلنا من عباد الصالحين المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا سليما جميلا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ألا جعلنا ممن يصدون عن دينك بسوء أخلاقنا. اللهم لا جعلنا ممن يصدون عن دينك ومن يصدون عبادك عن دينك بسوء أخلاقنا. اللهم حسن أخلاقنا. اللهم حسن أخلاقنا. اللهم حسن أخلاقنا. اللهم اجعل إيماننا مع حركاتنا وسكناتنا وأعمالنا مع غيرنا موافقين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتول امورنا وسل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. والحمد لله رب العالمين.